Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent, qu'on soit homme ou femme. Aujourd'hui, on va parler de littérature, on va parler d'écriture, de passion, on va parler de sexothérapie, on va parler de sexe, on va parler de couple, on va parler d'orgasme, on va parler de plaisir. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femmes. Femme, avec moi sur le plateau, deux femmes, comme chaque semaine. À ma droite, Christine, Jeanne, qu'on applaudit. Merci. Voilà, parce que ça lui coûte d'être là, Christine, ça lui coûte. Merci, Christine, d'être avec nous. Avec plaisir. À ma gauche, Mégane Chenelon, qu'on applaudit. Ça lui coûte moins. Ouais. Dit-elle blasée. Voilà, parce la dame est décomplexée. Elle a fait des millions de télé. Comment allez-vous, mesdames? Ça va. Vous avez très la bien. Pêche, vous avez de belles couleurs. C'est ben rose, oui. C'est jaune, c'est smiley, oui. C'est rose, maman. Paupières roses. Paupières roses, ben rose. Oui, rose. Bon, en tout cas, merci d'être là. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Mais on l'a rose aussi, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Les hommes sont roses aussi. Avec un peu de fond de teint dedans. Bon, mais c'est pas grave. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter? On commence par Christine. Christine. Eh bien, Christine Jeanne, martiniquaise, je crois. Je dis je crois parce que, bon, on a toujours des petites contradictions. Hein. Mm-hmm. Citoyenne du monde, hein, puisque je ne suis pas là pour me perdre en dilution, mais je suis assez ouverte sur le monde. J'aime le monde. J'aime le monde. Tu as beaucoup voyagé déjà? J'ai voyagé, pas beaucoup, mm-hmm. pas beaucoup, mais j'ai quand même voyagé. Je suis sortie en tout cas du petit cocon. Et j'aime bien me nourrir de ce qui se passe à l'extérieur. Quand tu dis, je t'interromps là, si tu permets, quand tu dis martiniquaise, pour toi, être martiniquaise, c'est quoi la caractéristique? Quand tu dis je suis martiniquaise, je suis ouverte sur le monde, mais martiniquaise, qu'est-ce oui, que tu caractéristique? Oui, martiniquaise, parce que je suis attachée à une culture, mm-hmm. à une tradition, à un patrimoine, à une identité, mm-hmm. à ma langue. Mm-hmm. Ma langue qui est en fait un condensé de tout cela. Mm-hmm. Donc c'est ce qui me définit avec les manières de martiniquaise. C'est quoi les manières de martiniquaise, de femme martiniquaise? On peut en trouver, hein, c'est-à-dire que, par exemple, oui, je le revendique. Mm-hmm. Donc c'est ça. Voilà. Une façon de se tenir. De se tenir, de se mouvoir, mm-hmm. de parler. Une forme de fierté. De s'encanailler, de fierté, effectivement. Que de la fierté, parce que des fois, il y a la fierté, puis derrière, il y a peut-être des fois un petit peu le manque d'assurance. Ou, ah, totalement. Oui, c'est les deux en même temps, en fait. Oui, c'est ça qui crée. Oui, ouais. Mais oui. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, on a été éduqués comme ça aussi, hein, ce manque d'assurance qui nous vient de. Mm-hmm. Mais c'est ça aussi. Et donc, ça, c'est pour la partie identitaire, mais bon, tu as fait des études de droit, tu es juriste. Oui, c'est vieux. J'ai été juriste. Non, moi, c'est vieux. Vous êtes jeune. Parce qu'en fait, en fait moi, le juriste, c'est celui qui sait le droit aujourd'hui, qui le pratique. Bon, mais non, le juriste, c'est celui qui a appris le droit, qui a une façon de penser, qui ne le lâche pas. C'est comme le vélo, tu ne perds pas l'esprit juridique ou juriste. Oui, en effet, une façon de penser. Mm-hmm. Je crois savoir où aller chercher peut-être les informations. Je ne les ai pas comme avant, comme à l'époque. Mais effectivement, j'ai fait du droit. Et aujourd'hui, tu travailles dans la collectivité territoriale? Je travaille à la collectivité territoriale, effectivement, de Martinique, où je suis en charge d'un projet en lien, justement, avec la culture, le patrimoine et la langue créole. Super. Donc, voilà. Et puis, aujourd'hui, on va parler de cet ouvrage, J'ai juste bien. Donc, c'est ton premier roman. C'est mon premier roman. Tu es auteur ou autrice, en tout cas. Je suis auteureux. Auteureux. Comment tu te définis? Tu dis plutôt auteur? Je dis auteureux. Ok, moi aussi, d'ailleurs. Voilà. J'aime bien auteureux. J'aime bien. Donc voilà, j'ai juste bien, on va en parler, de l'acte d'écrire, du processus, de pourquoi tu as écrit, et puis de ce qu'il y a dedans, sans dévoiler les choses. Surtout. Sans dévoiler les choses. Et alors, à ma gauche, il y a cette jeune dame, Mégane. Est-ce que tu peux te présenter, Mégane, s'il te plaît? Bien sûr, donc Mégane, c'est le prénom que mes parents m'ont donné, mais moi, j'ai choisi le prénom Ama. Ama. Ama, en Afrique, c'est être née la première née le samedi. Mais tu sais, il me semble que Ama en Inde, il y a une femme qui s'appelle Ama qui embrasse les gens. Ah ben sûrement. Il me semble que c'est Ama et elle fait le tour du monde et elle les gens qui font du yoga, il me semble que c'est à vérifier, mais elle reçoit les gens et elle fait d'ailleurs il y a un film français d'ailleurs qui parle de ça. Tu sais avec Jean Dujardin, il me semble. Mmh.
Voilà, où elle reçoit. Il n'y a jamais de hasard. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, par rapport Claude Lelouch, voilà, le film de Claude Lelouch, voilà. Et Ama, mais bon, bref. Donc, c'est le nom que tu t'es choisi. Oui, que j'ai choisi maintenant il y a 2 ans. Mm-hmm. Donc, c'est Ama. Bon, je me fais appeler Ama, mais Mégane, c'est très bien. Je n'ai aucun problème avec mon prénom. Hein. Alors, donc, comme je disais, première née le samedi, parce que je suis la première de ma famille et mm-hmm. je suis née un samedi. Mm-hmm. Et donc, je suis sexothérapeute. Mm-hmm. Donc, je ne l'ai pas toujours été. Avant, j'étais conseillère mutualiste et conseillère en assurance pendant un petit moment. Et puis, ma grossesse m'a révélé que ce n'est pas ma voix, en fait. Et puis, j'ai trouvé ma voix, finalement, grâce à ma sage-femme. Alors, moi, je pense qu'avec avec Zitata, on va mener une étude sur le nombre, sur les femmes, les motivations des femmes, notamment à la période de à la grossesse, mm-hmm. qui change de voix. Parce que ça fait 75 émissions qu'on a faites. Mm-hmm. Je ne sais pas combien de femmes nous ont dit, venant ici, qu'elles avaient fait exactement ce que tu viens de nous dire. Oui, ça arrive souvent. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Mais c'est normal, pas seulement dans ma tête. Les femmes qui changent à la grossesse, c'est parce qu'on n'est plus seules. Mm-hmm. On a quelqu'un qu'on aime éperdument. Toutes les petites broutilles qu'on avait là, j'ai perdu l'homme de ma vie, ça n'existe plus. Mm-hmm. Puisqu'on a quelqu'un qu'on aime inconditionnellement mm-hmm. et qu'on veut porter en l'air et qu'on veut que sa vie soit parfaite. Donc forcément, et qui compte sur nous. Et qui compte sur nous. Mm-hmm. Et donc forcément, effectivement, là, on arrête de faire du n'importe quoi. C'est-à-dire, je ne dis pas que je faisais du n'importe quoi en travaillant en assurance. Oui. Mais on se ressaisit. Qu'est-ce qui ne correspondait pas à tes aspirations, fondamentalement? Alors, j'aimais beaucoup mon métier. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé les métiers en contact avec l'humain. Les animaux, moins. Mais l'humain, en tout cas. Et même pour mes stages, j'avais cette fibre. Pareil, j'ai été commerciale terrain aussi. C'était très facile pour moi, c'est-à-dire que je n'avais pas besoin de formation de mm-hmm. « Alors, quand vous arrivez devant la personne, il faudra être comme ça. » Je n'ai pas de stress au contact de l'inconnu. Et donc, et aussi, j'étais une très bonne oreille déjà pour mes amis ou pas amis, mais très bonne oreille d'écoute. Mm-hmm. Et puis toujours, « Merci pour ton conseil, Mégane, franchement, ça a marché. » Mais je ne savais même pas qu'il y avait un métier autour de cela. De c'est la sexothérapie. Vraiment, voilà, c'est vraiment cool, parce que j'ai toujours aimé ce sujet, hein. Parler de sexe? Parler de sexe. C'est-à-dire que depuis très jeune, mm-hmm. justement, il y avait l'amalgame. Les gens pensaient que parce que je parle de sexe... Tu aimais le sexe. Oui, que voilà. Mais je suis ça vicieuse. Regarde, ça pourrait te regarder. Voilà. Mais quand tu dis que tu aimais parler de ça, pourquoi? Pourquoi tu aimais parler de sexe avec tes camarades? Le processus, c'est parce que j'aimais pas parler de sexe, genre, sinon tu fais quoi dans ton lit le soir? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas ça. C'est vraiment, je me disais, mais moi, je suis comme ça et peut-être j'ai envie de savoir. Et la personne se disait, c'était un peu intrusif, mais après, je faisais pas ça avec tout le monde. Mm-hmm. Je parle de mes personnes proches autour de moi. Mais j'aimais comprendre le processus. Qu'est-ce qui est différent chez cette personne? Pourquoi elle aime ça? Et pourquoi elle n'aime pas ça? Mm-hmm. Pourquoi elle aime tant ça? Et pourquoi quelle moi, j'aime pas ça? Remplit, etc. Voilà, pourquoi? Mm-hmm. Et puis, c'est vraiment... et puis, c'est pour ça que ça a été plus facile pour moi aussi, ma formation de thérapie. Quand est-ce que tu as fait ça, alors, du coup? Il y a 3 ans. D'accord. Donc, tu as décidé de changer. Enfin, il y a 4 ans et puis il y a 3 ans que c'est bon. Donc, tu t'es formée? Voilà. Voilà. Et puis, donc, tu t'es formée à la psychothérapie? Non, je me suis formée d'abord à la psychologie générale. Psychologie générale. Okay. Voilà. Après, psychothérapie. Enfin, c'était un peu chevauché, c'était en même temps. D'accord. Et puis après, spécialisation sexo. Sexo, regarde ça, sexo. Alors, tu insistes parce qu'en off, tu disais, effectivement, les gens, et tu viens de le dire, les gens confondent, quoi. C'est-à-dire que ton travail, donc, fondamentalement, tu reçois des couples, tu reçois des femmes, seules. Tu reçois des personnes seules. Et vous parlez des difficultés, des questions que se posent ces gens. Voilà, et des fois, il n'y a même pas de difficultés. Non, ce sont simplement des questions que les personnes se posent et puis qu'on ne trouve ni sur Internet, si on ne va pas les demander à sa maman non plus. Mm-hmm. Je reçois aussi des adolescentes mm-hmm. avec l'accord des parents. Mm-hmm. Et souvent, ce sont des questions que nous aussi, on se posait, mais qu'on n'avait pas. Qu'on n'ose pas poser. On n'avait pas la réponse. Et puis, ça te amène à faire un peu n'importe quoi à ce moment, puisque tu ne sais pas, donc tu vas chercher à avoir la réponse toi-même. Tandis que quand tu as un regard éclairé, une réponse claire, mm-hmm. objective, mm-hmm. non jugeante, donc dans ce cas, tu es plus libre et moins stressé de faire ton expérience seule. Tu veux dire quelque chose? Oui, il y a beaucoup de détresse sexuelle, il y a beaucoup de personnes qui en Martinique. Oui, alors en Martinique, c'est encore plus fort qu'en métropole, par exemple, là où j'ai passé mes formations. Mm-hmm. En Martinique, il y a un tabou. Oui, parce que tout le monde a les épices, pas ni problème d'éjaculation précoce, pas ni problème d'anorgasmie, ou mais pas ni problème profondément de... que ça. Voilà, ça c'est on plus est bien, l'orgueil. Il y a qu'à voir comment on est au carnaval, c'est oui, ça c'est plus l'orgueil, cette partie-là. Je ne vais pas parler de mon éjaculation précoce parce que la honte, frère. Mais par contre, je parle de problèmes plus profonds en Martinique et je ne sais pas en Guadeloupe, mais je pense mm-hmm. aussi, puisqu'on est assez similaires, les femmes n'ont pas le droit de parler de plaisir, en fait.
On est là pour reproduire le mâle viril. Mais qui c'est qui dit ça? C'est les hommes qui disent ça, les femmes elles-mêmes, d'ailleurs. C'est implicite, les femmes, voilà. Ah bon, mais pourquoi maintenant? Je ne vais pas faire ça, je ne vais pas lui demander, ce n'est pas à moi de lui demander, parce que c'est lui qui décide. Et voilà, quel que soit les âges, Mégane. Oui, quel que soit l'âge. Tu en rencontres, ouais. Voilà. C'est-à-dire que plus la femme grandit, plus elle va être centrée sur son plaisir. Mais c'est toujours tabou. Oui, faut c'est toujours ça, caché, quoi. Ouais. Est-ce que voilà. on va y venir plus en détail. Qu'est-ce que ça t'inspire, Christine? On va y venir plus en détail tout à l'heure. On va profiter de ta présence pour te poser toutes ces questions. Non, je ne suis pas du tout étonnée, puisque c'est à l'image de notre société. Ça ressemble à notre société. Et quand Mégane parle de l'âge, moi, je pense qu'effectivement, à partir d'un certain âge, les femmes sont beaucoup plus libérées. Et elles n'ont plus ce type de problème. Elles n'ont plus ce type de complexe, normalement. Plus ou moins. Alors, à l'intérieur d'elles-mêmes, elles vont se dire « Ah non, je ne veux pas accepter que monsieur me fasse vivre cet enfer. » Mais elles ne vont toujours pas oser dire à l'homme en question « Tu ne sais pas faire. » Ah oui. Parce qu'elle parlait d'enfer, je pensais qu'elle parlait d'enfer sexuel, quoi. Oui, enfer sexuel. C'est-à-dire qu'il a des pratiques et la femme, c'est nul, quoi. Voilà, alors que la femme, elle s'applique, elle va chercher, puisque l'objectif... Remarque, la fin de rapport sexuel, c'est que l'homme a éjaculé. Mais pourquoi? Pourquoi c'est pas quand la femme éjacule? Non, mais ils pourraient d'ailleurs tous les deux ne pas éjaculer, ne pas avoir d'orgasme. Simplement. L'amour tantrique ou je ne sais quoi. Oui, voilà, c'est voilà, ça. C'est quelque chose. C'est ça que j'essaie de déconstruire. Non, pas du tout. Je ne m'attendais pas du tout à ce type de discussion, mais pas du tout. Bon, après, il y a une question de génération. Lorsqu'on parle, les jeunes aujourd'hui, il y a beaucoup plus de. On va dire que l'éducation est beaucoup plus libérée, elle est beaucoup plus française. C'est vrai, alors, je suis pas sûre, ça, Christine. Elle est plus libérée, mais les tabous existent toujours. D'accord. C'est-à-dire que la maman, elle ne va pas dire à son enfant, tu sais, que quand tu fais une fellation, tu peux avoir une MST. Oui, non, oui. On va parler de... Mais après, elle va dire, il ne faut pas tomber enceinte chez moi, hein, et c'est tout. Oui, oui. Elle ne va pas rentrer dans les détails avec son enfant. Oui. La maman ou le papa, je dis elle. Oui, oui. Moi-même, je suis dans le préjugé. Non, parce qu'il y a beaucoup de familles monoparentales où les mamans sont aussi... Le parent ne va pas rentrer dans le détail avec son enfant. Et c'est pour ça que je suis là, en fait. Mm-hmm. Je propose aux parents qu'ils ne se sentent pas aptes, parce que c'est OK aussi. Le parent peut ne pas se sentir à l'aise pour parler de ça. Oui. Et c'est pour ça que les sexothérapeutes sont là aussi. On va continuer la discussion, hein, très 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 intéressante. Je voudrais juste, on va partir ailleurs et puis aborder un sujet un peu plus grave en partant en RDC. Jingle focus. Je voulais qu'on parle de monsieur vraiment qui est extraordinaire. On en a parlé beaucoup il y a quelques années, donc en 2018, quand il a eu le prix Nobel de la paix. Il s'agit d'un Congolais, donc de RDC, le docteur Denis Mukwege, qui est surnommé autrement l'homme qui répare les femmes, parce qu'il intervient en fait dans une partie du Congo où il y a la guerre en fait depuis des années, donc cette guerre dont on ne parle pas. Et dans cette guerre, les femmes sont des armes, les femmes sont des victimes, mais utilisées comme des armes. Et en fait, elles sont violées, et le viol est utilisé comme une arme de guerre. Donc c'est pour ça qu'on a surnommé le docteur Mukwege, donc l'homme qui répare les femmes, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a eu le prix Nobel de la paix en 2018, après plusieurs nominations, et puis finalement ça s'est fait en 2018. Et alors, je voulais qu'on en reparle, parce que ces jours-ci, donc il y a des guerres, on parle beaucoup de la guerre en Ukraine, mais il y a des guerres qui sont des guerres oubliées. Donc la guerre du Congo en est une, et ces derniers temps, quand on lit un petit peu l'actualité, on s'en rend compte qu'il y a un regain, en fait, d'hostilité, un regain d'affrontement entre des forces qui s'opposent depuis des années, donc l'armée congolaise donc de RDC, l'armée disons régulière, et puis les insurgés d'un mouvement du mouvement de mars du 23 mars, donc qui s'appelle le M23, donc dans une partie du Congo qui s'appelle le Nord Kivu, et là encore donc ces affrontements, il y a un regain en fait de ces affrontements, et donc je voudrais qu'on regarde une bande annonce d'un film qui lui est dédié, qui lui était consacré, qui date déjà un petit peu. Ça s'appelle « L'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate », un film de Thierry Michel et Colette Breckman. Donc on regarde la bande-annonce. Dans les zones de conflit, les batailles se passent sur le corps des femmes. The people of Eastern Congo, particularly the women of Eastern Congo, have to believe that the military is there for them, not to be an opportunity for abusing them. Je suis témoin d'atrocités de masse commises sur le corps des femmes et contre les femmes. Et je ne peux pas rester les bras croisés. The legendary Dr. Denis Mukwege, he's a two-time Nobel Peace Prize nominee and one of the bravest people
I have ever met. No. Aïe, 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 faites vite, faites vite! But I don't think any of us can ever appreciate fully what he has meant, not only to the women. Nous sommes devenus la capitale mondiale de viol à cause de cette guerre. Il y a des femmes que j'ai opérées pour la deuxième, voire même la troisième fois. Les femmes avaient besoin de justice. Il y a eu les nuits, il y a eu des massacres. Nous voyons ce que même un œil de chirurgien ne peut pas s'habituer de voir. Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère. Et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. Comment pouvons-nous nous taire? Voilà, Denis Mukwege, donc cet homme extraordinaire, l'homme qui répare. Vous avez déjà entendu parler de Denis Mukwege? Oui, j'ai entendu. Non, effectivement, j'ai entendu. Oui. Il a eu le prix Sakharov en 2014 et puis le prix Nobel en 2018, oui. Non, j'ai entendu parler de lui et puis ben, en fait, à travers les âges, il y a souvent eu des personnes comme ça, heureusement, oui. qui luttent un peu contre cette dichotomie-là, où l'homme surpuissant se livre à des choses atroces. Atroces, oui. Et puis d'autres quoi, qui réparent. Alors lui, ce qui est extraordinaire, donc, il est congolais. À un moment, il s'est exilé parce qu'il est parti à Boston, parce que sa famille était menacée, sa fille a été prise en otage, il a échappé à des tentatives d'assassinat. Et puis les femmes se sont mobilisées pour avoir leur médecin et il est revenu quoi, en disant si ces femmes-là ont le courage d'affronter ça, pour qui je suis pour ne pas aller leur donner ce coup de main? C'est un gars, il est extraordinaire, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et donc heureusement, il a eu ce prix Nobel en 2018. Et comme tu dis, Christine, donc, il y a des gens, effectivement, il y a des gens, des hommes ou des femmes qui réparent. Quoi. Je voulais qu'on lui rende hommage parce que dans l'actualité, on commence à parler un petit peu plus de ce qui se passe en RDC. Effectivement, on ne sait pas ce qui se passe. C'est vrai qu'on est très accaparé, logiquement, hein, par ce qui se passe en Europe, mais il y a des guerres, pas seulement celles de RDC, il y a des guerres oubliées dans le monde. Et le plus souvent, les femmes en sont les premières victimes. Mmh. Voilà, jingle. Tu voulais dire quelque chose, peut-être, Mégane? Non, ça va, je ne le connaissais pas, mais je suis très heureuse de l'avoir connu. Là, je vais poursuivre mes recherches à la maison. Jingle, focus, mot de femme. Avec mes invités, on va parler d'elles et de leur parcours, de leur passion, de ce qui les motive. Et là, je vais montrer, donc j'ai juste bien, et on va donner la parole à Christine, dont c'est le premier roman. C'est ça. Qu'est-ce que ça fait d'avoir son livre publié comme ça, livré aux lecteurs et aux lectrices? Alors, pour dire vrai, lorsque le livre a été publié, ça a été un choc pour moi. Pourquoi? Je l'ai déjà dit, parce que je crois que je ne m'attendais pas à ce que j'ai vécu, à ce que j'ai ressenti, en fait. Écrire, c'est une chose. Être publié, c'en est une autre. C'est vraiment se livrer, se réaliser à ce moment-là qu'on va être lu, qu'on va être scruté, qu'on va être regardé, que finalement, ce qu'on écrit peut être associé à soi, tout simplement, et ce qui n'est pas faux. Puisqu'on écrit, on s'écrit soi, on s'écrit en fait, on se dit, on se livre. Et donc c'est un peu ça, c'est ce que j'ai ressenti au départ. Et puis voilà, l'impression d'être livrée au public, au grand public. Alors pas tu, hein, c'est le risque d'être jugé. Mais c'est ça, oui. Et c'est ça, et donc avec toutes sortes de craintes. De craintes et de peur, on va Combien de temps tu as mis à écrire cet ouvrage? Alors... c'est difficile à dire, parce que dans le temps, j'ai commencé à écrire il y a à peu près 4-5 ans, comme ça, parce que je suis une passionnée d'écriture, hein, j'aime beaucoup ça, les mots, jouer, détricoter, nouer les phrases, enfin bon. Et j'ai écrit à un moment où j'en avais vraiment, vraiment, vraiment besoin, et de temps en temps, il pouvait se passer 6 mois sans que je n'écrive un seul mot, et puis de temps en temps, quand j'étais inspirée, je revenais dessus. Il n'y avait pas cette pression de l'écriture. J'ai écrit vraiment parce que ça me faisait du bien. C'était libératoire. C'était totalement libératoire. C'était vraiment pour moi une catharsis à un moment où
J'ai connu quelques difficultés, hein. J'ai fait une petite dépression. En fait, j'ai connu, on va dire, une phase d'épuisement professionnel. D'accord. Et donc, ça a été vraiment un des moyens de me remettre à fonctionner normalement, de revenir. Et c'était vraiment un exutoire pour moi. Et c'est une fiction ? C'est une fiction, voilà. Alors évidemment c'est une fiction, c'est un roman qui s'apparente à un récit de faits réels quand même, et puis d'éléments historiques, donc d'éléments de roman historique, puisque lorsque je parle effectivement de certains faits d'histoire, je me réfère vraiment à des dates, je ne raconte pas d'histoire en fait, c'est vraiment... raconte une histoire sans raconter voilà. L'histoire. Il y a une grande histoire, oui. Et puis il y a des petites histoires dans l'histoire. Parce qu'on parle de politique, on parle de Césaire, on parle de personnages qui ont accompagné Césaire, ça se passe à Fort-de-France, mais bon, ça parle de famille en fait. Moi, ça m'a fait penser en fait à... Alors, c'est pas du tout, hein, c'est pas du tout la clé, en fait, on n'arrive pas au même résultat, mais ça m'a fait penser à un film Festen, qui est un film d'Europe du Nord, je sais plus, alors excusez-moi, hein, téléspectatrice, téléspectateur, mais c'est des secrets de famille, en fait. Voilà, c'est des secrets de famille, et à la fin, on est un peu surpris, quoi. On est vraiment surpris par la chute, voilà, la chute, le mot que je cherchais. Mais ça parle de famille, en fait. Absolument. D'histoire de famille et de secrets de famille. Tout à fait. Comme il y en a dans toutes les familles. Les secrets de famille, les non-dits, toutes les petites histoires croustillantes qui ponctuent notre quotidien ici en Martinique et peut-être ailleurs. Mais en Martinique, nous avons plein de petites histoires. Alors, comme nous sommes sur un petit territoire, c'est exacerbé, ça se voit certainement un peu plus, mais il y a beaucoup d'histoires et puis beaucoup de secrets, de choses non dites qui sont révélées des années plus tard. Des fois, les parents, arrière-grands-parents sont déjà partis, ils ne sont plus là, mais l'histoire perdure, quoi. Et des fois, je fais attention à ce qu'on m'a rapporté. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, ça m'a donné envie d'aller rechercher chez les ancêtres, de couper les liens avec ceux qui ont existé avant. Au contraire, de me rapprocher de mes grands-parents, etc. Donc, il y a un petit peu de tout ça, et c'est ce qui fait notre... Et puis, alors, il y a des personnages qui sont des personnages masculins, mais il y a beaucoup de femmes. Clotilde, Hélène, etc. C'est une histoire de femmes, de génération en génération. Ouais. Et quand les personnages masculins n'existent, en fait, que pour mettre en valeur les femmes, oui. Tu es féministe. Alors, si être féministe, c'est ça, oui, je le suis. Mégane, ça donne envie de le lire, hein, oui. Quand on te parle des femmes. Je lis beaucoup, alors. Oui. Mais alors, moi, je l'ai lu vraiment avec beaucoup de plaisir. Ça se lit vite, effectivement. Mais on rentre effectivement dans la Martinique, même si c'est à cheval aussi sur la France. On ne veut pas dévoiler, hein, complètement. On ne va pas dévoiler. C'est vrai qu'on fait des petits allers-retours parce que c'est notre histoire aussi. C'est vrai que ça n'est pas du tout autobiographique. Non, ça n'est pas autobiographique. Mais il y a quand même des éléments. C'est la première fois. Quand on écrit, on se base forcément sur des choses que l'on connaît. Oui. Donc sur les voisins, les voisines, les copines, les copains, la famille, les amis, enfin. Et puis ce qu'on entend, des histoires qu'on entend qui se racontent tout bas. Et puis celles qui sont dites mises au grand jour. Qu'est-ce que tu lis, Mégane ? Alors, je lis de tout. Mais je suis une passionnée de romans policiers. Ah oui ? Oui. Agatha Christie, par exemple. J'ai la collection, quoi. Depuis petite. Et ça, c'est grâce à la marraine de mon père. Parce que comme elle est enseignante, quand elle avait plus des livres qu'elle ne lisait plus, elle ramenait des cartons de livres chez moi, mais j'avais à peine 7 ans, donc il y avait toutes sortes de livres romans, livres éducatifs et tout, et je crois que ça a beaucoup joué. Exemple, quand ma mère allait au centre commercial, au lieu de me laisser dans le rayon jouets, c'était rayon livre. Oui, voilà, c'est bon, tu peux faire tes affaires, je suis là. Alors, pour revenir à ton activité, est-ce que les gens... Alors, toi, tu reçois des gens à ton cabinet, tu organises des ateliers aussi? Oui, d'ailleurs, j'en ai un ce soir. Tout à l'heure, juste après l'émission, tu vas juste courir à ton atelier. Tu exerces où, d'ailleurs ? Au François, mais je suis Joséphine. C'est important, quand ça passe à la télé, de dire qu'elle est de Saint-Joseph. Represent, mais voilà. tu travailles au François. Oui, voilà. Voilà. Et qui c'est qui vient te voir ? Donc, les femmes, les hommes, des couples ? Alors, j'ai observé, hein, en 3 ans, j'ai pu catégoriser beaucoup de femmes. Mais les femmes qui viennent, il y a une minorité de femmes qui viennent pour elles. J'ai beaucoup de femmes qui viennent pour leur homme. Qu'est-ce qu'elles disent alors ? Oui, est-ce que c'est normal que mon copain, en 2 minutes, il a fini ? Bon, il n'y a pas de normalité. Je ne vais jamais dire à quelqu'un, là, c'est vraiment pas normal. Mais gagne 2 minutes. Non, mais 2 minutes, c'est la limite. C'est à partir de là qu'on parle d'éjaculation précoce. D'accord. C'est 2 minutes. Voilà. C'est pour ça que, oui.
Mais les gens sont, enfin, en général, tout le monde pense, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le sexe, c'est pénétratif, un, et de deux, ils pensent que c'est une performance. Mm-hmm. Alors que pas du tout. Comme j'explique aux personnes, l'orgasme, c'est le bonus. Voilà. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire que l'acte sexuel, ça devrait être un moment de connexion avec la personne, partenaire, comme ils aiment bien dire, gérance. Enfin, bref, ça doit... Oui, gérance, c'est le terme. Il faut se mettre à la page. Hein. Les jeunes, tu dis. Ouais, la gérance. Ouais, voilà. C'est un moment de partage, en fait. C'est pas un moment où, ah ouais, je vais être meilleur que Alain parce que Alain était trop fort et on m'a dit ça. C'est pas ça. Et comme les gens s'enferment dans ça, ça crée des frustrations. Mais alors, excuse-moi, la performance sexuelle, et comment s'exprime la performance sexuelle? C'est quoi le critère de performance? C'est je tiens longtemps, j'ai un tas de femmes. Ça change. Il y en a certains, c'est très gros chez moi, c'est plus gros que ton ex. Okay. Je tiens plus longtemps que ton ex. Non, mais il y a des hommes qui sont comme ça. Mm-hmm. Ah bon, et ton ex durait combien de temps? Ma part est plus gros que ton ex. D'accord. Ils sont vraiment à ce point, en fait. Et donc, ça crée, bien sûr, des conversations houleuses dans les couples. D'accord. Voilà. Donc, les femmes viennent te voir. Et tu disais, comme tu disais tout à l'heure, donc les femmes peuvent se sentir un peu victimes, quoi, aussi, de, finalement, de comportements qui ne va pas à l'essentiel, qui ne les satisfait pas. Voilà, c'est rentré dans la normalité. Mm-hmm. C'est devenu tellement normal que les femmes se disent « Ah ouais, mais là, la chance, c'est cette personne-là. » C'est rentré dans la normalité que la femme, elle doit... Son plaisir, c'est de faire plaisir à son homme, en fait. Je pensais que ça évolue. Mais ça évolue très, très, très lentement. Hein. Et alors, l'histoire de pénétration, parce que quand j'étais plus jeune, il y avait des discussions, tu dis que tu parlais de sexe, mais entre nous, les copines, on parlait aussi, mais même si ça se disait pas forcément facilement. Ouais. Mais il y avait toute une espèce de, et c'est le travail des féministes d'ailleurs, toute une espèce de mythe autour de la pénétration, finalement. Mm-hmm. Si tu ne jouis pas par pénétration, tu es pas une femme. Non, mais c'est toi qui n'es pas bien. Si le clitoris ne sert à rien, en fait, c'était ça. Et donc, c'est encore le cas, tu dis ça. J'ose espérer maintenant avec Google, quoi. Non, mais les femmes qui viennent te voir, est-ce que c'est encore, ça s'exprime encore, cette espèce de dualité, c'est ce que tu dis? Oui, mais maintenant, on a réussi à comprendre que le clitoris n'est plus le petit bouton qu'on voyait tout en haut. Mm. C'est-à-dire que le clitoris, il est bien plus profond, il est à l'intérieur aussi, et c'est pour ça qu'il y a certaines femmes qui pensaient être ce qu'on disait vaginal, sauf que ça n'existe pas. Voilà, c'est ça, ouais. Tout le monde, on est toutes clitoridiennes, voilà. Ça n'existe pas, le mythe de vaginal clitoridienne. Tout à fait. Donc aujourd'hui, toi, tu déconstruis des choses. Donc comment ça se passe? Rendez-vous chez toi. Donc, je viens te voir parce que je ne m'éclate pas. Voilà, j'ai des problèmes. Ça fait 3 ans que je suis avec un garçon. Ouais. Et en fait, je ne prends aucun plaisir. Je lui fais plaisir, mais je ne prends aucun plaisir. Ou bien même, j'ai l'impression qu'il ne prend pas de plaisir. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est par exemple, alors cet exemple-là, c'est souvent, le gars, il ne va pas venir parce qu'il est fort. Bon, des fois, oui, c'est ça aussi que dit. Il y en a qui viennent et je suis super contente quand je vois un couple qui vient. Un couple qui vient sans que l'homme soit... Vous ne voulez pas venir. Un homme qui vient vraiment pour s'améliorer. Eh bien, dans ces cas-là, souvent, la femme, elle prend la bataille pour elle, en fait. Et elle ne voit pas que le couple a un problème. Elle pense qu'elle a un problème. C'est-à-dire que l'homme n'arrive pas à lui faire arriver à l'orgasme, arriver à l'orgasme, eh bien, elle pense que c'est elle qui a un problème. Et comment ça se règle, alors? Ce sont des choses que tu... Donc, des gens que tu accompagnes sur le long terme, séance après séance, comment finalement se transforment les choses dans la vie de ces personnes? Alors, ce qui est bien avec la sexothérapie, c'est que c'est une thérapie qui est très brève. C'est-à-dire qu'en, disons, 5 séances, bon, il n'y a pas de séance arrêtée. Chaque personne, chaque cas est différent. Mm-hmm. Mais en environ 3 à 5 séances, le problème, il est... Je n'aime pas le mot problème. La difficulté est déjà pas surmontée, mais elle est en voie, en tout cas. Et après, c'est à chacun de faire les exercices comme... Je donne des exercices à faire à la maison, comme à l'école. Des exercices quoi, physiques? Oui, physiques. Voilà, parce qu'ils ne vont pas faire devant moi. On n'est pas dans... Voilà. Donc, je donne des exercices à faire. C'est vrai que quand on lit l'exercice, quand je l'envoie sur WhatsApp ou quand je l'écris sur une feuille, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'elle nous dit de faire là? Mais il faut le faire, sinon, comme je dis aux gens, mieux vaut économiser, quoi, parce qu'on vient voir une sexothérapeute, faisons les exercices. Et souvent et malheureusement, la femme, elle est plus dans le jeu, dans l'exercice que l'homme, parce qu'il retombe souvent dans ses travers. Ça va durer peut-être, 2 mois, et on retombe. Parce qu'il n'est pas assez dans l'écoute de lui-même, d'ailleurs. Voilà. Parce que si le problème vient de lui... Je t'ai montré que je sais faire, c'est bon maintenant.
Mais ces couples-là ne sont voués à l'échec, du coup. Si vous n'avez pas 4 ans, ils sont au café, ou au café, une séance, deux séances, trois séances, quatre séances, au bout de la cinquième, vous n'avez pas qu'à coûter. Qui m'en dit, ça qu'à régler, alors? Eh bien, ça se règle si le gars veut bien se prêter au jeu sur le long terme. Mm-hmm. Et puis, il y en a certains qui, effectivement, prennent goût parce qu'ils réalisent qu'eux-mêmes, ils sont plus à l'aise dans ce jeu, parce qu'ils sortent de la relation qu'on a vue à la télé. Mm-hmm. Ça, c'est le gros poison, hein, les trucs qu'ils regardent à la télé. Quoi, donc, les pornos. Le porno, on a déjà parlé de ça. Les pornos, en fait, voilà. c'est le poison. Tu as vu ça, tu vois, tu mesures ça dans tes ateliers. Et c'est comment même pas que les hommes. Comment ça s'exprime? C'est-à-dire que c'est comme ça que ça doit être, quoi. Voilà, ils se disent, par exemple, qu'un rapport doit durer une heure, parce qu'ils regardent des films d'une heure, et pendant une heure, il y a du marteau piqueur. Donc, ils se disent que moi aussi, je dois faire le marteau pendant une heure, alors qu'une heure... Non, pas une heure. Stop. Stop pour la femme déjà, et puis stop pour toi. Irritation, mycose, balanite, enfin. Comment tu dis? C'est l'irritation du gland, en fait, de la peau autour du prépuce. Ça fait mal, et puis ça permet aussi de développer ce genre de mycose. Et alors, c'est vrai que c'est pas un sujet dont on parle, hein. En effet. C'est pas commun. C'est pas commun, et il faut effectivement vouloir le faire, comme tu disais tout à l'heure, le faire avec les enfants aussi, les garçons aussi. Il faut peut-être c'est éduquer. L'éducation. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est pour ça que je propose des ateliers pour les écoles, déjà, parce que ça commencerait tout, en fait. Puisque l'enfant qui n'est pas, je ne vais pas dire éduqué, je n'éduque pas les enfants, qui n'est pas informé, eh bien, il va chercher par lui-même. Mais il va chercher où? Sur les sites porno. Et les sites porno, ce n'est pas une plateforme d'information. Non. C'est une plateforme de... Tu as envie de faire un petit truc vite fait, tu regardes ça pour te donner l'excitation. Mais ce n'est pas quelque chose où tu dois prendre comme exemple. Mais je ne vais pas dire que le porno est négatif. C'est-à-dire que si tu sais pourquoi tu le regardes et que tu ne prends pas exemple sur le porno, ça va. Oui, mais ça peut pas non plus être tombé entre n'importe quelle main. Voilà, tu c'est vois, ça. Dernièrement, je ne sais plus avec qui, quelqu'un qui intervient dans l'éducation nationale, voilà, les enfants, les jeunes, pensent que c'est ça la réalité du sexe, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Pour eux, c'est ça. Et puis, ça fait aussi beaucoup de complexes. Parce que, bien sûr, dans le porno, on ne va pas mettre des micro-pénis, en sachant que le micro-pénis, c'est moins de 4 cm au repos. Et il y en a de plus en plus, oui, avec les problèmes et perturbateurs endocriniens. Exactement. Je lisais il n'y a pas si longtemps que la fertilité masculine est en chute libre. Ouais. Partout dans le monde. Hein. Dans le monde, il y a vraiment un sérieux problème à cause des perturbateurs endocriniens, notamment. Voilà, et c'est ça. Et ça fait des complexes pour les très jeunes. Mm-hmm. Donc, très jeunes, ils ont déjà un complexe. Alors, être complexé très jeune, ça donne quoi? Que quand j'ai ma première relation sexuelle, je suis déjà complexée, donc je suis stressée. Je suis sûrement éjaculateur précoce ou je n'éjacule pas du tout. Et donc, ça crée un nouveau problème. Tu es complexé de ton pénis qui n'est sûrement même pas un micro-pénis. Et même si c'est un micro-pénis, tu n'as pas à être complexé puisqu'il y a plein d'autres façons de se faire plaisir. Et donc, tu as un deuxième souci dans ta vie, tu éjacules la précoce et ou tu n'éjacules pas. Est-ce que c'est pas lié au fait qu'on mette vraiment que le sexe soit perçu comme quelque chose d'extrêmement important? Enfin, peut-être que je te choque quand je dis ça, mais est-ce que finalement, il n'y a pas une survalorisation du sexe dans tout ça? Qu'est-ce que tu penses? Mais de tout temps, hein. Ouais. C'est pas nouveau, ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression, effectivement, que s'il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de vie. Déjà, c'est peut-être ça aussi. Parce que le sexe, c'est avec le sexe qu'on donne la vie. Mais on pourrait considérer que, bon, comment dire, c'est pas si grave que ça, mais on peut peut-être vivre sans le mettre là où on le met, quoi, non? Oui, alors, je fais quand même une différence, hein, sexe pénétratif et puis relation sexuelle. Parce que, je le dis à chaque atelier, même si je fais 1000 ateliers, je vais le dire, le mot préliminaire, pour moi, n'existe pas. Ah bon? Les préliminaires, c'est déjà une relation sexuelle. C'est-à-dire qu'on peut le faire comme ça. On ne peut faire que des préliminaires. Voilà. Préliminaires, on met des guillemets, puisque ce ne sont pas des préliminaires. Qui a décidé qu'il faut faire ça avant? Pourquoi tu ne le fais pas après? Par exemple, ça pourrait pallier au problème de l'homme a éjaculé, mais c'est fini, rentrez chez vous, la fête est terminée. Non. Tu sais déjà que... Alors, c'est un client, moi, qui m'a donné l'exemple. L'homme, c'est un canon, c'est-à-dire un coup, et la femme, c'est une mitraillette qui peut avoir plusieurs orgasmes. Tu sais que toi, tu as fini. Occupe-toi de madame, et madame aussi n'est pas peur de dire, bon, ben d'abord moi, et puis, quand je dis moi, à deux, mais d'abord moi, et puis ensuite toi, parce que toi, tu as fini après, c'est terminé pour toi. C'est comme ça, ouais. Sauf que non, on fait le contraire. Donc, voilà. Alors, j'ai juste bien,
Pourquoi j'ajuste bien? Alors, dans tout le livre, on a souvent j'ajuste mal. Est-ce qu'il faut dire ça? Et je dis, et j'ajuste bien. Ça veut dire quoi, j'ajuste bien? Je suis bien. Alors, franchement, mais c'est pas lié vraiment au dénouement du livre. C'est pas lié. Ça dépend des personnes qui lisent, ça dépend des avis, mais effectivement, c'est un choix. Hein, c'est un choix de style. Et ça intrigue. Ça intrigue et ça dit. Hein, quand, effectivement, page après page, je crois qu'on arrive à la fin en sachant pourquoi j'ai juste bien. Alors, est-ce que alors là, on parle beaucoup de sexe, mais ça parle pas de sexe, ça parle d'amour. Ça parle d'amour et très discrètement. Quand même, peut-être. De quoi de... C'est dit avec beaucoup de pudeur. Oui. Oui, mais ça, bon, ça parle. Sous mon contraire, quoi. Oui, non, mais ça parle d'amour quand même. Ça parle de famille et d'amour. Et c'est quoi alors? Comment tu le présentes ce livre? Comment je le présente? Oui, tu le pitches, c'est quoi? Voilà. Le pitch, c'est quoi? Bien consciente que mon père m'avait aussi caché la réalité. Je n'arrivais pas à lui en vouloir, car en vérité, c'est Clotilde, ma mère, que je haïssais. Sur le coup, la vive douleur que je ressentis, qui perdura pendant plusieurs mois, se transforma en rage folle. Une rage qui était, il est vrai, demeurée enfouie pendant plus de 30 ans, et dont j'avais finalement ignoré l'existence, ayant moi-même recouvert de voiles épais. Ça dit beaucoup, et en même temps... Pas beaucoup. Ça dit pas beaucoup. Que l'héroïne... On imagine effectivement une histoire... La narratrice. Non, même pas voilà, la narratrice. C'est... La narratrice, c'est toi. L'héroïne. C'est moi, la narratrice. Non, oui, oui, c'est pas dit à la première personne. Quoique, dans la deuxième partie, on a quand même des expressions. C'est carrément l'homme porté. Je regarde, mais il me semble pas, c'est je. Dans la deuxième partie, il y a du jeu. Oui, mais, la première partie, c'est voilà, l'austérité que certains lui prêtaient volontiers au premier regard, c'est celui qui arrive à l'arrière. Donc, on parle de l'héroïne, mais non, c'est pas elle qui parle. Et effectivement, la deuxième partie, oui, effectivement. C'est le dénouement, en fait, dans la deuxième partie. Donc, on arrive à comprendre pourquoi toutes les intrigues qui ont été entretenues dans la première partie sont dévoilées, finalement, en deuxième partie. Donc, tu disais, donc, on parle là. Alors, pourquoi, finalement, pourquoi l'amour est effectivement vu de cette façon allusive, du coup, alors ? C'était pas l'objet ? Non, pas du tout, hein, parce que l'amour est au centre quand même. Oui, quand je dis qu'on parle d'amour très discrètement, l'amour est quand même au centre. Et pendant tout le texte, qui dit famille, pour moi, hein, c'est ça, famille, amour, solidarité, blessure aussi, pas mal. Et donc, je pense que la pudeur, ça me ressemble un peu. Donc, il y a quand même des traits de moi dans l'écriture. Et il y a des gens qui m'ont reproché de ne pas aller jusqu'au fond des choses, de ne pas dire les choses de façon un peu plus crue. Qu'est-ce que tu veux dire? Même si je les suggère et je ne dis pas. Mais c'est le style. Oui, c'est ton style. C'est moi. Et puis, ce sont des choses que tu... C'est ton premier ouvrage aussi. Ce sont des choses que tu as déjà écrit avant? Non, c'est mon... Non publié, peut-être. Voilà, j'ai déjà écrit, effectivement. J'ai écrit des textes, des poèmes... J'ai écrit aussi un texte institutionnel, c'était pour à l'occasion de la fusion entre le Conseil général et le Conseil régional à l'époque. J'avais écrit un texte pour mettre en scène justement cette fusion-là, pour que le personnel de la collectivité comprenne ce qu'il attendait, pour que le personnel comprenne en fait de quoi on parlait. Et est-ce que tu as découvert, tu nous as parlé du fait que tu travailles effectivement à la STM, notamment sur le créole. Est-ce que tu t'es découvert vraiment une vocation à travers ce texte, donc qui est au-delà d'être écrit et maintenant publié, édité? Alors, une vocation, je ne sais pas. Disons que, je n'avais pas l'intention de publier au départ, hein, franchement. Cette intention, elle est venue tardivement. Et quand elle est venue, je me rappelle avoir revu le texte, l'avoir réécrit, parce que je me suis dit, alors, s'il y a un public qui le lit, il faut quand même respecter le public. Il faut écrire, j'ai pensé aux jeunes, j'ai pensé à tout ça. Mais j'ai envie de continuer à écrire. Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle la vocation, hein, mais j'ai envie de quelque chose qui devient. Parce que tu nous as dit que pour toi, c'était un exutoire, c'était quelque chose de très important qui t'a aidé, mais il y a une forme de nécessité en fait à l'écriture. Dans ce cas-là, est-ce que désormais cette nécessité s'impose au-delà même du contexte, qui était ce contexte un petit peu de dépression que tu nous as décrit? Oui, parce qu'en réalité, quand j'écris, je suis bien, voilà. Ça me fait du bien, donc pourquoi pas. Est-ce qu'il y a des sujets, par exemple, on parle de sexe crûment, moi je sais avoir discuté avec des amis écrivains,
qui me disent bon, écrire du sexe, par exemple, c'est très compliqué. C'est très difficile parce qu'on peut tomber dans la vulgarité, dans le pornographique. C'est ça. Et c'est très difficile. Je connais, voilà. Et quand tu regardes bien, les auteurs s'essayent peu, en fait, à cet exercice-là. Est-ce que toi, tu pourrais écrire des scènes de sexe? Aujourd'hui, je ne sais pas. Pourquoi pas? Mais pour le moment, enfin, ce n'est pas quelque chose que j'imagine, là, comme ça. Parce que, enfin, en tout cas, je n'y ai pas pensé. Mégane, toi, tu pourrais. Alors, tu n'écris pas? Tu lis beaucoup? Alors, je n'écris pas de romans, mais j'écris des articles, ceci d'accord. étant. J'écris des articles sur ma page. Des articles. Ah oui, alors tu as un Instagram. Oui, L'Amour Sacré. Avec un K. Oui, L'Amour Sacré. L-A-N-M-O-U-S-A-K-R-E. Créole. Il n'y a pas d'accent. Oui, oui. Très créole, oui. Oui, j'ai et donc c'est là que tu écris. Et tu écris quoi alors? Excuse-moi. J'écris des articles, par exemple, j'écris des articles toujours avec, c'est moi, hein, l'humour et tout, donc toujours avec un petit ton d'humour, mais pour dévulgariser, en fait. Pour vulgariser, en fait. Et puis même dédramatiser. Et dédramatiser, dans le sens, c'est pas voilà. vulgaire, quoi. C'est pas vulgaire, non. J'essaie de parler pour que tout le monde puisse comprendre sans se dire, mais qu'est-ce qu'elle a dit là, en fait? Je ne sais pas c'est quoi anorgasmie, même s'il y a orgasme dans le mot, mais quand on dit anorgasmie, peut-être que tout le monde, ça peut ne pas être logique. Donc, je vais parler autrement. Et j'écris des articles sur des problèmes récurrents que j'ai souvent en consultation. Donc, j'écris l'article dessus parce qu'en fait, je me dis que c'est un problème public. Le top 5 de ces problèmes récurrents, c'est quoi? Alors, l'article, il s'appelle « Il ne m'a pas fait jouir ». D'accord. J'ai aussi un article sur la masturbation, le tabou number Suprême. One. Personne ne se masturbe. Faut pas se toucher. Personne qui est à toi. Ouais. Personne ne se veut machin. C'est quoi ça? C'est la religion, ça. Alors oui. C'est péché, c'est péché. Surtout aux Antilles, il y a beaucoup de la religion. Mais même les personnes athées, même les personnes qui n'ont pas de religion, c'est la honte. Parce que pourquoi tu te masturbes en fait? Pourquoi tu te fais plaisir toi-même alors que tu peux le faire avec quelqu'un d'autre? Et c'est pour ça que les parents, en se renvoyant cette image d'eux-mêmes qu'ils l'ont fait, et en ayant honte eux-mêmes, parce que les parents aussi l'ont fait, en fait. Donc, en se renvoyant cette image d'eux en train d'avoir honte, alors ils ne veulent pas que leur enfant reproduise la chose. Et j'ai l'impression, excuse-moi, alors là on est sur le top 5, hein, n'oublie pas, hein, oui. On en a vu deux, et que la masturbation, à la limite, serait tolérée pour les hommes. Parce que pour te dire, ouais, boule à calévé, il n'y a en érection, mais ouais, comment tu vois, éventuellement. Ouais. Mais pour les femmes, au secours, quoi. Non, surtout non, pas. Surtout pas. Surtout pas. Il ne faut pas faire ça. Donc, oui, donc la masturbation, et oui, à fortiori féminine, donc là, c'est vraiment tabou number one 2.0. Et ensuite, on a aussi la différence entre les sacrifices et un compromis. Dans la relation. D'accord. Voilà. Pas de sacrifice humain. Non, pas de sacrifice humain. Ni. Ok, donc, voilà. D'accord. Un sacrifice. Là, on n'est plus. La sexothérapie englobe aussi les problèmes de couple tout à fait qui n'ont rien à voir avec le sexe, mais d'accord. qui se répercutent parce que quand tu es fâché avec quelqu'un, tu n'as pas trop envie de te retrouver avec la personne sur toi, quoi. Ou bien sous toi. Ou sous toi. Donc, les compromis et les sacrifices, la différence, donc, parce qu'il y a beaucoup de couples, je me suis sacrifiée pour elle ou pour lui, et puis c'est ce que la personne me fait aujourd'hui, sauf que personne ne t'a demandé de faire ça. C'est ta décision de l'avoir fait. Il y a forcément un intérêt quand on fait quelque chose. Voilà, hein. Tout le monde a un intérêt à faire quelque chose. Finalement. Donc, j'ai écrit un article dernièrement dessus, qu'il faut quand même faire la différence entre pourquoi te sacrifier? Il n'y a pas de sacrifice à faire. Dès qu'il y a un sacrifice à faire dans une relation, ce n'est déjà pas une bonne relation. Oui. On peut faire des compromis. Je n'aime pas que tu sortes tous les soirs. Oui, mais moi, j'aime sortir tous les soirs. Eh bien, je te propose qu'au lieu de sortir 7 soirs dans la semaine, je vais sortir 3. Mais il faut que toi aussi, tu acceptes que je sorte 3 soirs dans la c'est semaine. C'est comme ça que je suis. Quoi. Voilà, j'aime ça. Vous connaissez moins qu'on soit. Voilà, c'est là d'ailleurs, en fait, c'est dans un jour qu'on s'est connu. Voilà, si on ne s'était pas connu là, voilà. On ne s'était dès qu'il y a sacrifice, il y a un problème. Bon, bien sûr, je parle de situations non déviantes. Hein. Oui. Je ne parle pas de. Oui, mais moi, j'adore des trucs bizarres. Et là, ce n'est pas un sacrifice, c'est toi. Ou tu es au toi de cette situation, en fait. Mais je parle de situations qu'on retrouve souvent. Ah ouais, ma copine sort tout le temps, ou mon copain sort tout le temps, ou bien elle est tout le temps sur son portable. Bon, OK, elle aime son portable. On garde des temps pour nous, mais j'aime être dans mon portable. C'est comme ça que je suis. Donc, voilà. Donc, une différence entre sacrifice et compromis. Ça, c'est le troisième.
Voilà. Mais c'est toujours autour du sexe. Non, oui. Mais non. Non, mais je réfléchis en même temps. Donc, en tout cas, tu nous as dit le top 3. Oui, le top 3. Mais toi, tu as de l'espoir. Enfin, c'est-à-dire que, bon, tu as de l'espoir. En même temps, ça te permet de rencontrer du monde. Mais est-ce que, finalement, les choses s'améliorent globalement dans les couples ou bien, finalement, ça aboutit au fait que les gens te disent, enfin, dans ton expérience hein, avec les personnes que tu reçois, mais finalement, ben, les couples s'éloignent ou est-ce que tu arrives à régler les problèmes? Alors, il faut savoir que... Nous, sexothérapeutes et thérapeutes, quand on reçoit un couple, on se dit en nous, mais ces gens-là ne vont pas rester ensemble. Mm-hmm. Mais ce n'est pas ça notre travail, de leur dire, alors, on ne va pas continuer la séance, séparez-vous. Ils veulent régler le problème, on essaye de régler le problème. Oui. Mais il y a des couples où je me dis déjà, c'est voué à l'échec. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour être ensemble sur leur façon de faire, leur façon de vivre. Il y a des personnes que je reçois, que je vois, la personne, c'est une personne toxique. Ah oui. Donc, quand la personne elle est toxique, on essaie de régler quelqu'un. Par exemple, les pervers narcissiques, tu peux essayer de gérer un pervers narcissique tout pendant 20 séances. Le gars, il te manipule, là. Mm-hmm. Il va te dire, ouais, c'est vrai, vous avez raison. Mais merci, ça m'a beaucoup aidé. Mais à la maison, on ne sait pas ce qu'il fait, le pervers narcissique. Mm-hmm. Donc, oui, il y a des couples qui sont vraiment dans la démarche de on s'aime, on veut s'améliorer. Et eux, oui, ils réussissent parce que... Ce sont des petits exercices très simples à faire à la maison, seul ou pas à la maison. Mais il y a des couples que... Je vais te soumettre un fait qui m'a été reporté. Tu as beaucoup de femmes de 50 ans, 50, tu vois, la cinquantaine, qui constitue une part importante de nos populations, et comme il y a beaucoup plus de femmes d'ailleurs que d'hommes, qui sortent avec des hommes plus jeunes. Mmh. Est-ce que toi, tu as à connaître ça et qui sont des fois dans des situations difficiles parce qu'ils n'ont pas les mêmes habitudes, ils ont d'autres copines, etc. Et ce sont des femmes qui sont malheureuses. Alors, j'imagine qu'au niveau du lit, enfin au lit, c'est aussi peut-être un petit peu compliqué. Alors non, justement, plutôt dans ce cas-là, au niveau du lit, ça va. Ça va dans leur tête, en tout cas. Mm-hmm. Ça va dans leur façon de voir les choses. Parce que l'homme qui sera plus jeune, il sera lui aussi. Alors c'est, je suis quelqu'un qui est plus âgé que moi, donc je lui fais découvrir des choses. Ah oui. Mais tu rencontres ces personnes-là ou pas? Je ne les rencontre pas. Mais dans mes ateliers, par exemple, j'en ai, mais pas qui consultent, en fait. D'accord. J'en ai qui me donnent leur expérience, mais pas qui vont consulter parce que ça va, selon eux. D'accord. Quel est l'homme qui vous a le plus influencé? Quand je pose cette question-là, généralement, et notamment pour les gens qui ne regardent pas la télé, comme Mégane, c'est qu'on arrive quasiment à la fin. Mon Dieu. Tu sais comment ça s'est passé? Je m'attendais, oui. Ah. Et je ne m'attendais pas. L'homme qui t'a le plus, le plus marqué? J'ai dit influencé. Influencé, c'est non, ça. Non, pas influencé. L'homme qui m'a le plus marqué. Ou bien l'homme tout court? L'homme avec un grand H, un petit H, l'homme. Ok. L'homme. Mibab. Il y a toujours un silence prodigieux. Ah non, mais moi j'ai déjà ma réponse. Alors, c'est parce que mon père. Voilà. Parce que plus marqué, oui. Moi je veux dire que, voilà, je suis dans un environnement de femmes. Il y a évidemment mon père, d'ailleurs, qui est un personnage... il y a un personnage du roman qui lui ressemble quand même pas mal. Mm-hmm. Parce que j'ai beaucoup entendu... Je l'ai beaucoup entendu relater ses faits expériences, politiques. Les faits politiques, ah oui, etc. C'est lui qui était proche de Césaire, qui faisait campagne. Je ne sais pas. Et j'ai entendu beaucoup de ses anecdotes que j'ai confrontées avec ce que moi-même j'ai vécu, effectivement. Mais moi, je pensais, bon, il y a des hommes, hein, il y a des hommes que j'admire, hein, mais je ne suis pas la seule, hein, de par le monde, de l'antenité, un king, quel est l'homme, mais si je te dis non, il n'y a pas ça. Je veux dire lui parce qu'il est tout près de moi, mais je n'ai pas ça. Quelqu'un que tu admires, en fait. Peut-être qu'il faut que je reformule. L'homme qui t'a le plus marqué, que tu admires, etc. Non, il n'y en a pas. Un homme, non. Il y aurait une femme? ma mère, pareil. D'accord. Ma mère, pareil. Mais c'est vrai qu'il y a une multitude de femmes aussi qui gravitent autour de moi et dont je tire, dont je m'inspire, effectivement, oui. Ok. Alors après, ça dépend du secteur, ça dépend s'il y a un écrivain. Non, enfin, tout, voilà. Je ne suis c'est pas. Avec mes polarités, le positif comme le négatif. Enfin, je n'ai pas, je suis pas tranchée là-dessus. Tu vois, nous, par exemple, tout à l'heure, on a parlé de Denis Mukwege, c'est un homme extraordinaire. Oui, voilà. qui est admirable par rapport à ce qu'il fait, effectivement. Oui. Donc, mais il n'y a pas que lui. Donc, oui, bien sûr, c'est bien un sûr, peu bien ça. Sûr. Non, non, mais... C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un que je... Voilà, que tu mettes plus en haut de ton panthéon que d'autres. Voilà. Mégane. Mon père,
Guy, d'ailleurs. Guy va te regarder. Oui, là. Mais bien sûr, il est obligé. Voilà. Il n'a pas le choix. Non, en fait, je lui ai déjà dit ça et tout. Mon père, parce que vraiment, il m'a montré les valeurs de la famille. Bien sûr, petite, je faisais le pitre. Ma rebelle, tu m'énerves, tu veux me coincer. Mais aujourd'hui, je prends la valeur de ce qu'il a fait, c'est-à-dire que je n'ai jamais connu le. Il faudra faire attention ce mois-ci, on ne pourra pas. Toujours là, toujours. Tu veux ça? Oui, tu veux ça? Ok, d'accord. Sans être une enfant très gâtée, hein. Je veux dire on a, que on a, ça se voit, non? On n'a pas d'aller, quoi. Excuse-moi, doudou chérie. Hein? Non, je n'étais pas gâtée pourrie, en fait. Je n'étais pas là, l'enfant... Tu t'es gâtée. Ah, je vous ai dit que je veux ça. Je n'étais pas comme ça. Pas très moque non plus, mais je veux dire que je vois aujourd'hui, quand je connais le tarif, le prix de ceci, de cela, je vois ce qu'il a fait. Je me dis que... Franchement, ce gars... Guy. Il a assuré Guy. Guichet, non. Spéciale dédicace. Et puis, ma maman, il ne faut pas être jalouse, hein, parce que ma maman, Peggy, Guy et Peggy, voilà, et puis voilà, ils ont fait Mégane, et mon petit frère Diane, mais je veux dire, c'est les tuteurs, voilà. Super. Donc, super. Jingle, le mot la femme, il nous reste une minute et des poussières. Christine, oui, un mot de la femme. Cette dame est venue, elle avait peur. C'est bon, ça s'est bien passé. Ça va. C'était cool. Ça va. C'était sympa. Super sympa. C'était trop court. Une heure déjà passée? Mais oui, 52 minutes. Un petit peu moins d'une heure. 52 minutes. Donc, on dit, j'ai juste bien. On a dit, on n'a pas dit. Hein. Tu as vu? On est exactement. Pas tout. On a bien pitché le livre. Hein. Parfaitement. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Hein. Donc, dans toutes les librairies. Toutes les librairies, en principe, oui. Voilà, toutes les librairies, en principe. Et puis, donc, roman, Christine Jeanne, aux éditions Lettres des Caraïbes l'Armatan. Voilà, allez lire et puis lisez. Allez le chercher et lisez. Lisez, il faut lire. La lecture, l'écriture, c'est le pouvoir. Le mot de la forme, donc, c'est quoi? Le mot de la fin? Passion. Parce que c'est... Ça me définit. Voilà. Elle va se révéler, là, maintenant. C'est nous partis pour une deuxième émission. Passion, ça te définit. Oui. Le mot de la femme, le mot de la fin, c'est quoi? Le mot de la fin, c'est un mot. Non, ah, c'est un mot, deux mots, il doit être en seconde. Eh bien, alors, que les femmes se réveillent un peu, que l'émancipation des femmes soit au projet du jour en Martinique et pas seulement dans les grandes métropoles, que la femme se rende compte de sa puissance, c'est vraiment mon combat. Et puis, que tout le monde soit heureux dans sa relation sexuelle, dans sa relation tout court, et puis dans ses relations sexuelles surtout. Oui, pas une par an, quoi, c'est... Ouais. Non, pas une. Et ton site, c'est L'Amour Sacré. Ah oui, L'Amour Sacré sur Instagram, mes articles, mes ateliers, tout y est. Merci Mégane, merci plaisir. Christine. Ce fut vraiment une joie de vous avoir. Et puis voilà, d'avoir cette, discussion à bâton rompu avec vous. Merci à vous, hein, chères téléspectatrices et téléspectateurs de Zitata et de Femmes en particulier. Je vous retrouve bientôt sur Zitata, mardi 20h05, avec tout autant de plaisir et deux femmes tout aussi inspirantes et extraordinaires. Bye bye. Bye. Femme. Femme.